Bye. Le roi des Belges Albert II a décidé jeudi de se donner du temps avant d'accepter ou non la démission du gouvernement d'Yves Le Terme, mettant en garde contre le coût d'une crise pour le rôle du pays en Europe, selon un communiqué du palais. À l'origine de la décision du Premier ministre belge, un conflit linguistique entre francophones et flamands, alors que le pays doit prendre dans 2 mois la présidence tournante de l'UE. Aujourd'hui, le roi consulte les différents partis politiques pour tenter de trouver une solution et, le cas échéant, accepter ou refuser la démission du gouvernement. Vous comptiez profiter du soleil pour pique-niquer en Belgique ce week-end? Eh bien, il faudra prendre votre mal en patience. L'autoroute A6 dans les deux sens sera fermée à partir de ce soir 20h jusqu'à lundi 6h du matin. D'abord entre la croix de Sessange et la sortie de Steinfort, la déviation se fera via la N13 vers l'échangeur 3 Pompières de l'autoroute A4 Esch-Luxembourg. Direction Luxembourg, c'est la portion d'autoroute entre la croix de Sessange et l'échangeur 5 Helftenerbrück qui sera coupée à la circulation. Pour rejoindre Luxembourg, il faudra emprunter l'autoroute A4 Luxembourg-Esch. Ceux qui pensaient du coup prendre la direction de l'Allemagne n'auront pas plus de chance ce week-end. Ce soir, à partir de 20h et jusqu'à lundi 6h, le tronçon de l'autoroute A1 en direction de Trèves entre la sortie 11 Münzbach et la sortie 13 Potage-Pioche sera aussi fermée à la circulation. Une déviation via Rhodes-sur-Cire sera mise en place. Sortez vos barbecues et invitez vos amis ce week-end, car le soleil et la chaleur seront de la partie. Si les matinées seront encore assez fraîches, entre 3 et 6 degrés, les après-midi dépasseront aisément les 20 degrés, pour atteindre carrément 25 degrés dimanche. Une situation exceptionnelle pour un mois d'avril? Pas vraiment, selon les météorologues, qui affirment que de tels extrêmes sont possibles en mars et en avril.